Oui, c'est pas. Voilà, vous en êtes, bah voilà. Je suis complètement confiant. Ah, soyez sérieux. Faut être sérieux. Il y a quelques. Voilà, on a essayé de goûter avec une série. Basilique sacrée de Thaïlande. Ça, c'est basilique de Marseille. Souci. Bonjour, vous allez bien? Ça va, oui, vous? Ouais. Oh, ça bosse, ça bosse. Même le dimanche? Bah oui, mais les légumes n'attendent pas le dimanche. Mais c'est dans la nature, ça pousse des plantes qu'on a à partir de graines. Pourquoi, hein, ça peut pousser très bien. Ça dépend, mais quand même. Et les tomates qu'on va goûter, enfin, qui sont revenues ce soir, sont fraîchement cueillies d'ici. Voilà, des melons. Non, mais c'est aussi narcissique. Une petite rangée de patates, et patates aiment bien les courges. Et ça, c'est la courge de spaghetti. Ah, c'est celle-là. Celle-là, et celle-là aussi. Et ça, c'est la courgette blanche de Virginie. Oui, belle. Et où la spaghetti? C'est celle-ci. C'est là, là. Comment? Parce qu'il a des fèques. Il est pas en... Dans le potager, les calebasses ont été rongées. Une limace mal famée a eu le culot de les déguster. Les carottes sont-elles cuites? Non. Se promenant dans le potager, Légumane respirait la sérénité. C'est au détour du pré qu'il entendit des cris résonner. Rapide comme une orchidée, il accourut auprès des intéressés. Une tomate à demi grignotée gisait à ses pieds. Gémissait-elle devant notre sauveur atterré. Notre héros n'eut pas le temps de se lamenter, déjà d'autres cris émanaient du potager dans la serre à calebasse. J'ai peur. Déterminé, Légumane piqua à la rapace avant que les calebasses ne trépassent. Ah ah ah, je suis Grimace la limace et je vais manger les calebasses. Ce jour-là, dans le potager, un combat d'une rare violence se passa. Et malgré la mélasse, Légumane buta la limace. Les calebasses pleines de grâce se jetèrent sur Légumane, salace. J'espère que mon histoire n'est pas trop dégueulasse. Viens à la prochaine fois. Ouais. Ah, si, c'est de la mûre. Hein. C'est de la... Ouais, ouais, c'est. C'est du. C'est du fruit, quoi. C'est, là aussi, ouais. C'est, ça reste un peu vert. Ah, c'est du fruit, oui. Hein. Ouais, c'est. Les teintes de vertes, hein. Mais... Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a des tomates vertes d'ailleurs, les graines des rois, c'est tout vert. Je vais vous jouer une gigue de Jean-Sébastien Bach. C'est un air breton du 18e siècle. Merci. Thank you.
Moi je n'ai rien comme tous les autres, je lui fais de la fantaisie. Moi je n'ai rien comme tous les autres, je lui fais de la fantaisie. Le matin quand je me lève, je commande à mon mari d'aller balayer la chambre, d'y faire promptement le lit. D'aller balayer la chambre, d'y faire promptement le lit. J'ai de l'eau dans ma citerne, c'est assez pour mon mari. Ouais, brava, brava. C'était même pas la peine de les défouiller, elles étaient tout pourries. Mais il y en a un quand même dans mon patelin, moi, dressé. Et bien, il y en a un qui avait des patates. C'est le seul de tout le village qui avait des patates. Comment qu'il a trouvé? Ben, chez lui, ils avaient réussi. Devinerait pas qui c'est. Même pas vrai. Eh ben, c'était le curé de Bressé. Ah, ouais. Lui, il avait eu des belles patates. Pourquoi? Parce que le bon Dieu l'aimait bien, voulait le récompenser, donc du coup, lui, il a eu des belles patates. On va croire ça. Ouais. Mais je suis une conteuse, j'aime bien que je disais la vérité. Hein. Ah là là. Mais vous savez, bon, le bon Dieu l'aimait bien, le curé. Les hommes du village aussi, oh, ils l'aimaient bien, tu vois. Mais tout le monde ne l'aimait pas. Les bonnes femmes, l'aimaient pas le curé. Là-dessus, tout le monde est parti. Les bonhommes, ils sont allés directement au bistrot. Au bistrot. Il y en a qui la connaissent. J'ai fait l'amour dans un joli quartier. Oui, mettre cela. J'ai pas su profiter. J'ai fait l'amour, mais j'ai perdu mes pas pour une belle qui ne m'aimait pas. Bonjour, bonjour la belle, que le bonheur soit chez vous. Je voudrais savoir qui sera votre époux. Je voudrais savoir qui aura votre cœur.